ça descend ensemble. On pose nos couilles dans la banane, on les baise, Furia. Midrune. Non mais peut. Mais il peut. Voilà, il va checker un peu pour les. Ou alors. Moi je pense que c'est pas trop dégueulasse. De base on le fait des fois lui. De base on le fait ça. Dis tout MZ. Parce qu'on confond le 2. Ouais. Moi pour moi, comme je vois le truc, c'est que potentiellement, dans un temps 2, toi éventuellement, tu vois si c'est la merde, tu peux remettre une molo derrière là-bas, ici en molo 2. Mais en gros toi Toto, tu vois la dexter, c'est. Quand moi, quand tu fais chef comme ça, j'aime trop. Exactement, c'est exactement ça. Il faut pas voir comme ça. Franchement on fait ça. Tu remplis à molo 2 et les mecs ça s'y pas quoi. Mais genre je reviens. Tu le lâches pas ou quoi? J'ai. J'ai le pire le goût. Voilà, je te l'ai dit. Un peu d'huile de roche. Hier, on est un peu détendu. Là, on est dans une phase de concentration. Pour rentrer dans la zone, il va falloir obligatoirement qu'on force les connexions. Sans ça, je vous le dis, on n'arrivera pas à rentrer chacun individuellement dans la zone. Il faut forcer ça. J'ai réécouté la com. On n'est pas passé par réécouter la com de nos anciens matchs. Mais je peux vous dire, il y a un truc qui est sûr. Je l'ai écouté tout le monde. Il n'y a pas une personne qui passe à la table. Tout le monde passait. Ça a forcé de la com. Il y avait de la surcom. Hein. C'était pas parfait. Mais en tout cas, la surcom a fait qu'on se connectait. Ouais, attends, t'inquiète, je vais faire ça. Ouais, t'inquiète, je vais faire ça. Ouais, ouais. Ah, putain, j'ai fait ça. Ouais, c'est pas grave. Bienveillance. En fait, il faut aller chercher tout le temps le positif. Et en fait, en étant focus sur nous, vu qu'on a les éléments techniques, ce truc-là va créer un mood dans l'équipe et on va passer d'un niveau moyen à un niveau excellent. Quand vous arrivez dans le match, là, on a établi les quelques solutions. Il n'y en a pas 50. Il y a peut-être 6-7 trucs dans la page. C'est tout. Mais c'est très important de savoir comment on vient shifter. Quelle est la vitesse qu'on veut employer? Si on veut se taper banane en early, on fait ça, ok. Si on veut prendre le hack, on veut accélérer, on fait ça, c'est ok. Si on doit ralentir, on est en contrôle parce qu'on a encore les options, quelles sont-elles? Et c'est très important de cibler une ou deux options par rapport au rythme de jeu qu'on veut imprimer. Et c'est là que toi, tu perds pas les pédales. Ça te permet de te dire, ah, on n'y arrive pas en early, on perd des mecs, on perd la bataille, je peux jouer plus lent, j'ai ça. Everything is possible, guys. G2, not G2. J'ai le Kaba. Encore un Kaba. C'est le mais maintenant on en est sûr avec la molo de Monessi. Oh bah oui. Salut. Super timing de Maca sur Nexa et c'est maintenant du 1 contre 2 pour Monessi. Alors on le sait évidemment, il en est capable. Il serait temps de le faire tomber. Les deux joueurs français qui n'ont d'ailleurs pas de kill vont devoir se dépêcher sur Kostov. Oh, mais surpris par la proximité de Monessi ici sur ce duel. Attention à Maca qui tente la décale. Passera maintenant sur une AK-47. Pardon, je m'y jette, lui sera déployé. Monessi qui va le trouver en travers, s'il vous plaît.
on restera ici au Tech 9. On a envie de progresser. Monesi tient, qui rate une balle. Assez rare pour le souligner. Le kick qui va essayer de faire son plan et il le trouve. Oui. Le kick qui revient maintenant sur Nexa. Attention, le kick qui se retrouve désormais en 1 contre 1 face à Nico. Il a ramassé Inaka. Il a encore 100 PV et 50 secondes au chrono. C'est le joueur qu'il faut côté 3D Max pour aller chercher un clutch. C'est lui, c'est cet homme. Il est déjà auteur d'un triplé. Le quadruplé, ça sera sur Nico, sur le boss final, qu'il va falloir le réaliser. 40 secondes, Nico reste en position sur la T. Pour le moment, Lucky est sur son idée première, partir, planter en B. Là, la bombe sur le dos. Tout est en train de se jouer là-dessus. Il va pouvoir planter et disparaître derrière. Nico est pas très très long, il va revenir forcément par les vêtements. Maintenant, c'est à Lucky de faire le travail. C'est à Lucky de se repositionner. Nico avance, Nico accélère. Et on l'entend courir, on entend ses pas qui avancent. Tu entends Lucky, tu sais à peu près où il est. Et là, maintenant, Nico attend. Nico passe, Nico va peut-être même sortir par la hauteur, la vitre est cassée, Lucky ne l'entendra pas. Il n'y a pas de kit, Nico. Il va être pressé par le temps, Nico. On a déjà une grosse quinzaine de secondes qui s'est écoulée. Ça va être à lui d'avancer, à lui de provoquer et à Lucky de tenir là-dessus. Lucky peut-être pour aller. Et il est revenu des années plus tard pour les éclater, les humilier en LAN. C'est un avec 4 qu'il vient de nous rentrer, c'est exceptionnel. Et on attend que ça. Oh, le C2 c'est plus. Le C2 va arriver bien. Garde le C2, garde le C2. Mange-toi la poule. Ouais. Ça va te faire du bien. Accélération, peut-être dans la compétition. On a repéré la présence de Monet. On prend le premier. Et Choco qui va se bagarrer maintenant, 1 contre 3. Il fait bon. Dommage. On s'en bat les couilles de comment on fait. Parce que quand il repousse des zones, quand c'est joué psychologiquement dans les rounds, on pense beaucoup à la fin de la round. Les gars, faut vraiment qu'on ait cette intensité dans la com. C'est ça qui va faire la différence. Comme tu dis, toutes ces choses-là, à partir de l'instant où on devient trop silencieux, à partir de l'instant où on devient chaotique, on pose. Pas pour trouver une solution. Remonte les fondamentaux. Personnalisé, c'est le groupe qui décale. Monesi est en grande difficulté là-dessus, obligé de reculer. Ah, abattu par Grave, mais Maca aura fait le kill sur les stats pendant ce temps-là. Maca viendra conclure sur Nico. Super GR de la part des 3D Max. Sans doute qu'il y a un Nico sauvage dans les parages. Et Nico va tomber sous les balles de Lucky qui est exceptionnel. Oh, 8-0 pour l'instant, Lucky. Attention, il y a deux joueurs low HP, c'est tout à fait jouable pour aussi. Pas de kit sur le joueur danois, il va arrêter rapidement l'autre semaine, c'est compris. Attention parce que là, on est low HP. Hein. 11 et 27, deux balles qui partent, c'est terminé, double ligne qui attend aussi, ce qui va traverser le Miguel, il prend un premier, Exe, il a été repéré, ça va être compliqué pour Exe, il y va au duel, Exe là-dessus, superbe round de la part des 3D Max. Voilà Nico qui amorce la rotation vers le haut. Et on a envie de plutôt passer à l'Egypte, attention à Monesi sur le corner pour venir le décaler, le doublé, il n'y aura pas de triplé, c'est fermé par Joko, et les deux Français qui se retrouvent là un petit peu en une position compliquée. Mena, dans le Mena. Je smoke devant le Mena. Un plus combat qui a rejoint. Non, Choco peut-être qui va décaler finalement. Nico qui s'est manqué, 8 secondes de la fin, on peut amorcer la bombe. Et normalement le fumigène qui devrait protéger le Français. Maca qui redécale derrière le bomb site. Hunter est tombé aussi. Les jets de s'effondre. Maca peut-être pour aller chercher le question. Lucky a la récup sur le coup de c'est possible, les kills sont faits. Le coup est pour Lucky. Le kill de l'exemple par là, il reste que Monesi, ils vont le faire. Les 3D Max, ils vont aller mettre une pierre. Un CG2, un partout, il est réussi. Il va faire une map à aller chercher. On ira sur Inferno, on aura le droit à un decider entre les 3D Max et les G2. Les 3D Max qui n'en ont pas fini avec son TSL pour l'exclusion 19. Et une carte récupérée sur ces G2. Les mecs, ce qui a fait que ça a fonctionné, c'est créer l'environnement, ça part du technique. Le technique, c'est comment vous avez envie de jouer, quelle vitesse, quelle zone, si on se fait bolos parce qu'on se fait fight, est-ce qu'on fight encore. Et une fois que vous avez cet environnement, si on n'arrive pas à l'avoir, time out et on se dit ce qu'on fait. Classique. Avec Filou. On va avec Filou, tu leur mets smoke au fond, molo 2, si y a une ça dépend si Nicolas ou si une Dexter, il va te le dire. Comme hier, tu m'avais dit,
si j'ai une Dexter, tu mets la molo de normal. Dexter, je le vois instant. T'as Nicodos quand t'es ligne. Si j'ai un Nicodos, si on est dans la merde, on n'a pas trop de fluff, on veut finir en B. Explosion. Vraiment explosif. Eh, parlez-vous sur le chemin, les gars, s'il vous plaît. Attendez pas d'être posé pour parler. Let's go. Nexa qui va peut-être tenter une feinte, et il feinte, l'animation au niveau du CT, attention de lui refaire là-dessus, il a été touché. Nexa qui n'a pas de Kevlar, il manque une petite balle dans le corps et ça pourrait suffire ici. Nexa sur 23 PV a implanté la bombe, il a tout à fait raison là-dessus, est-ce qu'on peut l'empêcher? Exercice qui va essayer d'intervenir sur la fin. Là, mais le pistolet. Contre 3, attention, il y a deux joueurs cachés cette balle, il y a Nico sur la ligne Fallen, le petit flash qui procède le débordé, Nico sur un second, attention qui est pas 3. Oh, Nico ce qu'il vient de nous faire, le quadruple kill. Il y aura enfin le trait de gravity, allez. Est-ce qu'on peut s'amorcer la bombe? C'est refusé par Monesi. On respecte Exe, on veut surtout pas offrir la moindre possibilité aux Français de mettre un V4. Et c'est fait, G2 retrouvera bien Mouse demain en quart de finale de cette Pro League, ils ont su faire le travail. Mais on notera quand même l'énorme performance de la part des 3 des Max. Voilà, on manque un peu d'expérience, on les a fait trembler quand même. Je te confirme. Voilà.